c'est parce qu'on a pris un certain nombre de mesures contre l'avis de M. Brossa. Quand on a réformé le travail en début de quinquennat, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est différent. Non, mais vous ne voulez même pas contrôler les chômeurs. Mais nous, on ne veut pas les contrôler, on veut les aider. Je n'ai jamais dit ça. Et plutôt que de simplement, je finis juste. Vous consacrez beaucoup d'énergie à contrôler les chômeurs et beaucoup moins d'énergie à contrôler les aides aux entreprises que vous versez sans aucune contrepartie. Nous le faisons de la même façon. Et moi, je n'oppose pas ni les chômeurs ni les entreprises. Et j'ai un sentiment personnel, c'est que l'emploi se crée dans l'entreprise. Et je considère que pour distribuer de la richesse, M. Brossa, il faut en créer. Je connais par cœur. Oui, mais juste une remarque. Mais c'est pas parce que vous le connaissez par cœur. Citez-moi une entreprise qui a touché des aides, qui ne les a pas utilisées comme elle l'aurait dû et que vous avez obligé à rembourser ces aides. Tous les jours. Une seule. Mais tous les jours sur le terrain. Vous n'êtes pas capable d'en citer une seule parce qu'il n'y en a pas. Je vous invite à venir dans les Alpes de Haute-Provence. Je ne suis pas un élu parisien, M. Brossa. Je ne suis pas un élu parisien. Je suis un élu rural. Rural et provincial. Je vous invite à venir sur le terrain. Un terrain où vous verrez des chefs d'entreprise à qui vous proposez d'augmenter les charges et d'augmenter les impôts. Les cotisations sociales. Moi, j'ai 98%. Oui, vous m'avez déjà dit ça tout à l'heure. J'ai 98% des entreprises. Vous avez été de gauche quand même. Je peux, mais je un jour. Vous savez, je considère. Ça fait pas très longtemps. Mais la différence entre vous quand et vous moi. Vous étiez au Parti Socialiste, vous Monsieur parliez de cotisation sociale. Monsieur Brossa, la différence entre vous et moi, c'est que moi j'appartiens à cette gauche du réel, pas à une gauche de l'idéal totalement fantasmé qui n'existe plus. Jordan Bardella, est-ce que cette expression de présent. On est responsable de ce qu'on fait et de la politique qu'on a menée. Et de fait, Emmanuel Macron, président de la République, a gavé les plus riches. Il n'était pas obligé de supprimer l'impôt sur la fortune. Il a pris la décision de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. C'était une promesse de campagne. C'était dans son programme. Certes, il l'a fait. Il l'a fait et on a aujourd'hui les résultats de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça a coûté plus de 3 milliards d'euros au compte public et ça n'a en aucun cas eu des conséquences positives sur le plan économique. Lui dit que ça a fait revenir. C'est faux. Et d'ailleurs, y compris les études commandées par le gouvernement, ont démontré que ça n'a pas conduit à faire revenir de grosses fortunes en France. Il n'a rien fait de concret. Il n'a rien fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Rien. Et vous avez encore 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Vous avez encore des tas de gens qui se gavent sur le dos des travailleurs de notre pays. Et donc, la question du partage des richesses, cette question que nous portons avec Fabien Roussel, elle doit être au cœur de la prochaine élection présidentielle, au cœur de la prochaine élection. Je sais bien que certains veulent déporter le débat sur d'autres sujets. Ça doit être la clé du débat. Parce qu'à l'heure où tant de Français ont un pouvoir d'achat exsangue, il est insolent et insupportable de voir qu'à l'autre bout de la société, on a des gens qui se gavent autant. Christophe Castaner. Surtout, je souriais en vous entendant évoquer le modèle de Margaret Thatcher. Enfin, je ne sais pas s'il faut sourire ou pleurer. On a déjà vécu quand même deux années d'enfer avec le Covid. Si en plus, il faut maintenant qu'on se tape à l'Élysée un clone de Margaret Thatcher, très franchement, je pense que les Français n'ont pas mérité ça. Présidente qui agira. Qui agira dans l'intérêt de qui? Avec du courage. C'est ça le fond de l'affaire. Parce que je vous entendais, monsieur Ciotti, je vous entendais évoquer la question des retraites. Il y a juste un paramètre que vous oubliez. C'est que dans notre société, il y a des gens qui se gavent. Il y a des richesses qui s'accumulent à un bout de la société et qui ne profitent jamais aux autres. Il y a des retraités qui souffrent. Des entreprises du CAC 40 qui ont versé 51 milliards d'euros cette année à leurs actionnaires. Il y a des patrons du CAC 40 qui se sont augmentés de 30%. Et pendant ce temps-là, vous avez effectivement des petits retraités, des salariés qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc la question, et c'est celle que nous posons avec Fabien Roussel, c'est la question du partage. Alors c'est vrai que ça n'est pas Margaret Thatcher, mais je pense que le partage, c'est une belle valeur et que c'est une valeur qui devrait nous rassembler. Est-ce que vous êtes contre l'augmentation du SMIC. Mais moi, je ne suis pas dans le déclaratif. Nous sommes dans le faire. Ah bah vous l'avez aujourd'hui, pas fait. Ben si, justement. Non. Ah, non, mais attendez. Les choses sont simples et vous pouvez vérifier. Et je l'assume s'il y a un contrôle. C'est surtout les SMICards qu'ils vérifient tous les jours. Mais c'est assez simple. Sur le niveau de rémunération d'un SMICard aujourd'hui dans le pays, il y a une augmentation nette de la rémunération chaque mois d'environ 180 euros. Bien sûr, c'est spectaculaire. D'ailleurs, les gens vivent tellement bien. C'est plus que. Ah non, je vous ai pas. Alors, ce n'est pas mon propos non plus. Je pense que c'est la galère quand on est au SMIC et même avec 180 euros de plus net par mois, c'est compliqué. Et donc, ne me faites pas dire ça. Mais ne venez pas ici devant le micro pour dire qu'ils sont contre
par principe. Nous le faisons et nous devons continuer à le faire parce que ce sont dans les yeux. Mais sauf que vous trompez, mais ça c'est des choses qui arrivent. Non. Mais si vous voulez, on peut tout contester ou on peut ne jamais répondre aux questions comme M. Ciotti. Je pense qu'il faut partir des faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, un salarié au niveau du SMIC, et c'est pas une information que je vous donne, elle est connue, elle a été vérifiée, elle a été fact-checkée, a connu une augmentation de sa rémunération nette moyenne de 180 euros. C'est précisément pour ça que j'ai parlé du brut, mais j'ai bien compris que vous changiez de sujet. Je ne change pas de sujet, moi je parle... Sur la retraite, si. Moi, je vous ai parlé de la retraite, ce n'est pas le sujet que vous évoquez là, ça c'est sûr. Pas d'un salaire, pas du SMIC brut, parce que de toute façon, vous allez m'expliquer qu'il faut que les patrons, ces méchants patrons, payent plus de charges. Les cotisations sociales. Ils en payent. Les cotisations sociales, mais qu'ils en payent plus encore, et qu'il faut prendre aux riches. Ce qui est un peu utile, ça finance les retraites notamment d'ailleurs. Vous savez, votre modèle n'a pas vraiment marqué son efficacité dans l'ensemble du monde. On n'a pas compris quel était le vôtre. Mais c'est celui qui permet à un smicard aujourd'hui d'avoir une augmentation nette de sa rémunération à la fin du mois de 170 euros. 10 millions de pauvres. Mais arrêtez de jeter l'anathème. C'est vrai. Comme si c'est moche d'utiliser les 10 millions de pauvres. Non, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, vous avez raison. Excusez-moi d'en parler. Il en a peu été question. D'ailleurs, vous êtes un peu élu à la mairie de Paris. Quand je me promène dans la mairie de Paris, je les vois à chaque instant. Oui, d'ailleurs, l'hébergement d'urgence est une compétence de l'État. Vous devez le savoir. Non, mais nous ne jouons pas à cela. Vous le savez. Non, ne jouons pas à cela. Nous ne jouons pas à des pauvres. Mais non. Allez, avançons, s'il vous plaît, revenons notamment sur la question des retraites, parce que vous n'avez pas répondu.